de ça qui passe. Vous comprenez? Parce que je n'ai tout dossier. Pas que les gens qui font pas parler de ça. Mais je bois la parole parce que je ne peux pas parler de ça. Je ne peux pas contacter avant, si vous voulez voir les gens, pas de problème, mais je peux expliquer ça. Je connais comme qui décaissait, premier comme qui décaissait, premier chèque 40 millions, deuxième chèque 20 millions. Donc, cabinet d'avocats, cabinet qui recevait comme là, transféré comme là, comme ça, tu dois utiliser pour un bagage, il n'est pas utilisé pour lui. Je vais expliquer tout ça qui passait et je vais mettre l'action publique en mouvement. L'autre bagage qui vient, ça qui fait dossier Jovenel là, pourquoi qu'on fasse un petit vent, c'est toujours, mis à part la question des juges d'instruction, mais les autorités qui sont responsables de divulguer les informations concernant le dossier et dossier assassinat, ils ont gagné rétention d'information parce que ils ont dit qu'ils n'ont pas le droit de parler de ça. Ok? Mettez-nous au courant. Donc, entre-temps, concernant le dossier Jovenel, là, m'a cherché un cabinet et Triago, un Triago, un cabinet d'avocats de structure ça, m'a cherché pour me faire information, pour me faire interview avec elle parce que j'ai pile information avocat ça bail concernant assassinat. Donc comme j'ai des contacts avec Wall Street et Journal, donc m'a échangé information avec eux, monsieur qui l'a parlé. Donc m'a même fait interview avec elle, m'a relé déjà pour répondre, m'a déjà un traducteur pour me faire information pour avancer. N'a avancer. Attendez. Tout le monde qui a participé dans l'assassinat, ouais, mais intéressé, m'a participé à ça. M'a fait travailler comme journaliste. Mais regardez, pas fait erreur, voyez trois types pour moi. Et pour leur voyez trois types, on dit que je suis trompé. Pas fait erreur ça même. Parce que pour voir trois types pour moi, je vais transférer trois types pour moi, by Alfredo, je vais transférer pour trois types pour moi, by De Gaulle, je vais transférer trois types pour moi, by Marco. Ça veut dire, pas que je vois, pas faire même. Ouais, ou moun, je dis alors, parle avec moi, parle bien avec moi. Et si, d'aventure, ou t'es pas là avec moi déjà, longtemps de un bagaille. M'a prête caméra. Sou te parlé avec moi longtemps d'un bagaille. Nous sommes journalistes professionnels. M'a dit ça. M'a dit ça. Sou te parlé avec moi. M'a dit ça. Mais, si juge d'instruction, rivé, les cités non comme moun qui auteur, co-auteur, etc. M'a dit, où t'es dit ça? Laisse ça, papa, dit ou pas dit, parce qu'il y a pas non. Donc, c'est ça, je voulais parler avec nous. Même gens. Si je venais, te content de moun, monsieur, pas mourir, m'a dit, tout le monde dit. Donc, nous allons recevoir, jodia, le député de Kesko, Alfredo. Nous allons parler ensemble, nous allons causer. Ça, c'est pas un. Ak 5, ak monsieur a, il a multiplié par 3 ou par 4, tellement de ak la donne. Déjà qu'on est depuis, on dit Alfredo, qu'on bonne kap tremble. Qu'on bonne kap tremble, on dit Alfredo. Donc, mais, nous n'allons pas faire de cadeau jusqu'à présent, je viens de mourir, tout ce qui est passé en deux pays, Val, c'est où qu'on a commencé l'émission avec mon frère, puis qu'on a entendu après ça, on dit, je bébé, bon, on arrive là, quand non. Qui joue Eval, bonsoir. Bonsoir Gary, bonsoir invité nous, député Alfredo et moi salut Marco. Merci président Jean. Moi salut tout pays à cap tendé, que ce soit téléspectateurs, internautes cap côté en Haïti à l'étranger. Nous là après-midi en fait toujours pour nous discuter, échanger et sur les questions qui ont rapport avec fonctionnement pays. Par exemple, vous souhaitez vous qui ont barré la gare, donc ça fait nous, ouais, c'est encore un élément, je dirais, fondamental qui permet que nous, ouais, dans un niveau pays, mais en particulier justice pays, nous, parce que justement, on juge, et même un citoyen, un simple citoyen, ou t'as dû caractériser par son comme courage, surtout un juge. Donc, en dépit du fait que le dossier est compliqué, en ville. Il y a de grands enjeux, effectivement, il y a un enjeu. Mais moi, je crois que nous sommes supposés un juge qui a courage, qui dit écoutez, il faut m'enquêter parce que c'est fonction, c'est premier, gros lourd. Premier bail pour le juge la connaît. Oui. Premier bail pour le juge la connaît, c'est que le dé amour. Bon,
Voilà. Il a mouru. C'est ça, non, il est déjà mouru. Mais deuxième balle de connaître tout, c'est que l'avion de monde. C'est pour connaître que l'avion de monde. C'est ça que mouru. Parce que c'est pour prendre engagement, ça, parce qu'on connaît, c'était pour ça. Voilà. Non, il pas forcément automatiquement que penser l'avion de monde. Certainement, puisqu'ils sont enquête. Non, il suppose l'avion de monde, c'est enquête. Pas que pas jeune. Sans enquête, Gary. Non, enquête, la enquête. Enquête là, bon. Oui, la jeune moule, la pas enquête. Bon, en tout cas, Gary, bon, m'espère que qu'on juge, qu'il y a courage, oui. Qui prend dossier et qui mène enquête là avec toute impartialité pour que justement la nation haïtienne, la société haïtienne, vienne justice. Puisque, et président Jovenel comme président de la République, ancien président évidemment, donc, c'est pas le citoyen Jovenel, mais c'était un président. Et pour moi-même qui appartient à tête, qui appartient à pays, puisque justement, je veux dire, c'est l'État haïtien, dans sa capacité opérationnelle, qui a remis en question, c'est la sécurité nationale, globalement, qui a remis en question. Parce que si, avec autant de facilité, qu'un groupe étranger, mêlé avec un groupe haïtien, vini, il a assassiné un président, bon, c'est pas. C'est pas famille Jovenel, je veux dire, qui doit jeune justice, c'est pas Jovenel en tant que tel. C'est la société, c'est l'État, c'est la nation haïtienne, et m'koué. C'est faut qu'on juge qui compétent, qui a l'âge à toute impartialité, qui pour prendre dossier et puis pour garder. Finalement, identifier auteur, complice, etc. Bon, voilà, après midi à nous là, nous pourrons parler. Avec ancien député Alfredo Antoine, nous avons dit population, il y a tout un lot de dossiers. Oui, il y a un dossier. Il y a accès à le multiplier par 20. C'est pas parti. Ok, donc, je vais commencer l'émission et puis Marco a rejoint nous tout à l'heure. Salut Marco avec campagne. Merci à tout internaute. Je vais connaître. Où est Michel là? Michel, salutations à toi, Michel. Et puis, et Marco Ferrari, un ex toujours là, tout salut. Donc, Député Alfredo, bonsoir. C'est un plaisir pour moi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Pierre-Paul Charles. Bonsoir, et monsieur Val, monsieur Marco, campagne. C'est un plaisir pour me participer dans l'émission avec nous après-midi, hein, dans ce coup. Et monsieur Pierre-Paul Charles m'a dit que je suivre tous les trois actions, premier, deux, trois. Et Scoop fait un travail courageux, équipe Scoop là. Merci. Et je pense que c'est ça qui nous manque dans le pays, hein, qui cause que les journalistes colombiens ont fait enquête pendant qu'ils ont assassiné le chef de l'État haïtien. Okay? Son président, c'est le président Panou qui a assassiné. Donc, Colombie n'a pas mené enquête pour nous. Des militaires en fonction, jusqu'à ce qu'il y ait de preuves palpables, tangibles. Qui dit que militaire ça ou pas en fonction, c'est de militaires colombiens qui viennent assassiner président. C'est aspect ça et faut nous prioriser. Et même m'encourager de journalistes, de médias pour aller faire de enquête au niveau de la Colombie, de études, de parcours et colombien ça, de militaires colombiens ça, qui côté au sorti, qui parcours, qui gradio dans l'armée, à qui moment, parce que y a dit que c'est de anciens militaires. Donc, moi-même, tes anciens militaires, là, ma poêle, jusqu'à ce qu'on ait de preuves palpables, à un certain moment de la durée, que yoté mette fin avec service. Donc, jusqu'à présent, c'est le militaire colombien qui a assassiné chef de l'État, président haïtien. Bien entendu, il n'y a pas privé, yo c'est de exécutant, ça n'y a pas privé, fait accompli, sans le concours, vraiment concours des nationaux, de propre citoyen la caillou, que ce soit de monde qui placé pour te sécuriser la famille présidentielle et que ce soit de monde qui dans secteur qui de haïtiens de nationaux qui participaient dont non yo sorti de enquête internationale de médias moi ouais qui dit que yo t'ai engagé moun sa yo à partir de une lettre que on juge parce que l'on dit on juge cour cassation c'est la plus haute instance judiciaire de ce pays. C'est la Cour suprême. L'on parle de lui, pour les poids américains, il connaît qui ça que juge ça représente la CAILI. C'est même, il mettait au même niveau. L'on dit aux députés haïtiens,
l'homme sur le plan international, il y a tout honneur que ça mérite. Il a traité avec dignité parce que il connaît son congressman, son parlementaire comme il est. Donc là, c'est de juge, on juge dans la cour de cassation qui est engagé et on firme pour entrer avec Colombien ça au Winfell et il y a plusieurs pays qui entrent et en ligne de compte ou gagnent République Dominicaine parce que tu traversé par là et il fait comprendre que c'est hélicoptère qui avion qui portait et en partie dans mercenaires yo c'est pour ancien candidat à la présidence puis gars nous vient faire jouette son enquête qui a engagé plusieurs pays et même prêt et m'était sermenté au niveau parlement pour mettre vim en holocauste pour question pays ça pour de histoire de nèg qui comprennent que n'a prend richesse pays a pour tout pisil et puis pour moi même comme monde qui était présenté devant peuple ou bien quel que soit élu a c'est eux même qui volaient c'est eux même qui pas capable marcher la caillou alors que économie pays a 95% richesse pays a dans main nous a fait n'a placé de fonds à l'étranger et puis richesse pays a dans main nous et puis de parlementaire pour diable que constitution ba yo plein pouvoir pour mener enquête il a le fait de tchoul il a le fait tchoul nèg sa yo qui kembe économie a en otage. Donc si nous fait président de la République qui t'a gagné toute sécurité ça avec nous tuer. Donc moi même question de vie à 48 ans, j'ai 48 ans. Vous comprendre pas les nèg qui vient faire peur. C'est nous pour peur parce que m'a gagné sans président dans cravate ni dans chemise. M'a qu'on assassiner moun. OK? Donc c'est politique, débat contradictoire, nous ne doit pas d'accord, mais arriver à assassiner un président. J'aime nous faire là, même assassiner, nous massacrer un président de la République. Et moi j'ai pratiqué Jovenel Moïse depuis notre campagne. Si c'est depuis notre campagne électorale. Nous sommes toujours à discuter de rêves pour le pays. Qui ça le besoin? Nous sommes rentrés devant état de fait. C'est normal, on a une élection. Gary même te font choix. M'bral l'élection c'est moi qui te vle candidat parce que m'prêt pour me candidat. M'pas de gon monde que m'te écrit dans la bourgeoisie qui dit pour financer campagne parce que m'pas de vle al tchou le monde. Pour les arriver dans le parlement, m'prend dossier que m'de aborder. C'est population qui soif là qui vote. Donc est-ce que vous dit là rapidement tout candidat qui t'est demandé financement de la bourgeoisie, c'était tchou le terrain notamment Jovenel. M'pas pral dit ça. M'pap kou di ça non mais président Jovenel nous connaît que la bourgeoisie pour beaucoup t'a aidé dans campagne oui OK ça c'est pas un secret mais l'on aidé un candidat faut qu'il aide en fonction de projet de société projet de campagne qui ça voulait pour pays seul ça m'ka promettre on est qui voulait financer campagne bien que m'pa ça parle du jour m'pa mandé moun ça m'pa besoin ça tout c'est dis-moi qui ça que me pral offrir pour gagner stabilité dans le pays. C'est ça qu'on capable ba un homme d'affaires en retour. Mm-hmm. La financer mais n'a met ton climat que l'état travail non seulement pour cadre législatif yo de loi qui gagne qui disponible dans le pays pour régulariser institution pour gagner stabilité pour gagner sécurité dans le pays. Mais si on est pral comprendre on pral financer de campagne pour campagne électorale en retour pour me pral comme et porte-parole ou dans le parlement pour empêcher budget voter pour me craser parlement pour budget pas voter vina mégaphone fait tété et pas Alfredo Antoine on jeune m'a chame choul à 48 ans moi préparer d'abord avant que me descende dans le parlement c'est pas parlement qui pral bon premier machine que m'a boulé. OK donc faut population tout commencer de monde qui vient à sac l'argent avec l'argent chango pour voter yo ou fin voter ou pas jamais moi yo. Et qu'est-ce qu'on doit prendre témoin de ça? C'est peut-être ça, m'vida. On sait de dossier que mettez prendre dans le Parlement parce que problème pays, c'est pour un problème politique. De Saline, t'es fait déjà. C'est problème économique. Et président Jovenel, t'es rendu compte s'il pas attaqué problème économique, pays, peuple là, à 85%, 90%, toujours dans crasse. Économie pays a richesse pays a mauvaise distribution de richesse pays a c'est ça qui entraîne misère que moun pa ka passer et sous route Matisse 5 départements prend en otage c'est ça yo. De gang kap, prolifération des gangs de jeunes qui t'a doué même rêve avec même côté avec mais le fait que l'état te prend
en otage, yo capturé richesse l'État, et rejoindre deux monde qui rentrent, qui prend forme l'État comme dirigeant, fait que yo pas fait de développement, créer l'école professionnelle, bay jeune ça de possibilités pour que yo vienne des citoyens honnêtes dans la société, yo vienne de gang, c'est âme que mettez dans main. Depuis que vous avez vu, je suis content, moi, je commence là, mais je n'ai pas de questions, je n'ai. Pour qui ça, selon vous, même M. Jovenel? L'été public et président Jovenel, non seulement son proche, il a fait de confession que le président est faible, mais toute menace est publique. Tout le monde qui a menacé le président est public. Okay? Donc, il a tué le président parce que il y a de contrat léonais, okay? De monde, de secteur qui était bénéficié de contrat parce que c'est toujours le président, il a bail président. Yo file les femmes by président. OK, parce que ça le président Jovenel Moïse Dilvin ak toute chaise li et l'elle t'ai montré chaise là comme population pas garder ça, il était passé mail dans cou Martine Moïse li en Brésil. C'est Martine qui chaise il pas quitter nèg Port-au-Prince pour tes chaise Bali qui le femme pour bail contrat pour faire tout bail ça. Président t'ai évité ça. Les contrats Léonin. Ensuite. En pile ou gen question gaz dans pays là. Au fond qui secteur donc les présidents il écraser monopole qui était dans secteur gazio il a fait ennemi donc monde qui était gagné et même mise sous secteur ça yo pas ami président ou une question route au kilomètre route président et c'est 1,5 million ou $200,000 américains que était qu'on coûter avant et avec c'est à 150,000 que li réaliser au kilomètre route mon secteur ça a en face président parce que président tout côté que l'argent l'état a mal utilisé les mégots sous c'est ça président t'a fait il t'a cherché parce que moi fait sous Jean-Claude Duvalier mes parents toujours parlé de Duvalier père ou de Jean-Claude tout parce que et mot co majeur les Jean-Claude Duvalier perd du pouvoir bon dans l'entreprise l'état public que l'État fait, t'es créé, c'est pour t'es capable de financer le budget de la République, là, pays à pour développer pays à pour faire route parce que y'a pas compté sur la communauté internationale. Lors prend Téléco, moi rencontré avec près de 3 directeurs Téléco, pas d'hommes députés, qui dit que Téléco c'est une plus grand, plus gros entreprise publique qui te gagne dans Caraïbes là. Et pour te Jamaïque pour te passer appel vers les États-Unis d'Amérique, il faut qu'il passe par Téléco. Et là, il a passé vers Téléco, il y a des devises étrangères. C'est dollars américains qui ont rentré. Donc, ça, c'est pour financer le trésor public pour l'économie qui est capable de fleurir. Ou bien la cimenterie nationale. Toutes ces deux entreprises et la minoterie, c'est deux entreprises publiques que l'État a créées à l'époque. C'est un État visionnaire, peu importe que c'était des dictatures, et époque-là, tu es mérité, parce que c'était une réalité non géopolitique qui te cause, parce que ce n'est pas imposé. Il n'y a pas aucun monde qui a voulu imposer une dictature ici. Non. On peut imposer une dictature à travers la loi. C'est ça la démocratie. Le respect scrupuleux de la loi. Li automatiquement li voye vers la dictature mais c'est la loi qui a appliqué tout n'est son entreprise donc entreprise ça a été faite à un certain moment pour capable financer en pile travail question route faire l'école et centre de santé l'hôpital donc ou vinn prend à partir de régime président Préval c'est li pral vinn à un terme avant c'était privatisation le ouais peuple a pas d'accord modernisation yo relèl modernisation OK yo relèl yo ballon belle sinon modernisation ça c'est conseil de modernisation des entreprises publiques c'est MEP créons institution pendant député me descend et malwé avec institution responsable institution ça yo et qui pour bon mon état des lieux de toute institution que yo t'es privatisé c'était Yves Bassin. Et à l'époque, il était ministre, il était quitté. Il y a l'autre coordonnateur qui était remplacé. Mais c'est Bastien qui était ancien ministre et finance sous président privé. C'est lui-même qui a privatisé la majorité institution l'État comme économiste. Okay? Et à l'époque, il y a deux gouverneurs de la Banque centrale.
gouverneur banque centrale, c'est de conseiller financier que la loi fait de Michel Benadio pour la retransmission des matchs de foot. Aussi, ça passait par nos réseaux directement et on vendait les droits aux autres pays de la Caraïbe. J'avais dit, c'est nous-mêmes même qui permettons de faire c'est-à-dire Fidio, alors pour être capable de faire une transmission match football de la Caraïbe. Bien content. Merci. Donc, merci, Madame Binet. Bien que des fois, il y a des problèmes que nous opposons. Oui, mais c'est démocrate que nous raisons monde que nous respectons. OK? Et donc, le mal est dans l'institution, ça. C'est même. C'est même, et puis au bon moment, il y a des lieux de comment l'institution a marché. Ou bien de entreprises que vous privatisez, qui pas jamais payé cotisation par eux. Et qui, m'kwè c'est sous président privé, qui en pile, parce que monsieur Sonek qui connaît l'État. Oui, okay? Oui. Qui en pile institution que l'État fait payer mais via le ministre financier à l'époque, Bastien, qui connaît que tu as comme ça, entreprise ça, pas de jamais payé, il fait au pays, il exige. Donc, président privé et président Jovenel Moïse, il monte, il joue dans l'État, non seulement institution entreprise publique ça, qui était là pour financer, il a privatisé, nous avons fait fonds Petro-Caribé. Ah, on va parler de ça. Fonds Petro-Caribé n'est pas arrivé sous Jovenel. Jovenel n'a pas aucun. Il va prendre aucune résolution. Aucune résolution. Dernière résolution, c'est sous privé. Sous privé, dernière résolution fait. Président privé de 30 millions de dollars. OK? Donc, monsieur, c'est avec ressources PIA pour le faire, c'est de projets de route, de construction. L'école, tout ça, c'est à partir de recettes et internes. Parce que sur le plan international, bon, moi, qui dernier accord qui gagne, sinon que accord que Taïwan prête l'État 150 millions de dollars. Et pour arriver, presse à arriver, atterri, il faut que le Parlement, c'est après caducité la Chambre des députés. Tout déblosage, vous avez dans le Parlement, mégaphone, crasé séance, bandé derrière, odeur et nauséabonde. Donc, tout le bas, c'était pour contrat 150 millions de dollars pour pas passer. Pour le pas passer. Donc, de véritables monde que population a voté comme défenseur, au lieu à le défendre population, il y a le défendre même monde qui capturait l'État. Donc c'est pas ça qui menait président Jovenel Moïse en batté. Mais il est arrivé gain victoire sous corps physique président. Mais toute revendication, tout idéal président, t'es quoi la donne quoi pays de pays comprendre de et où aller de tout pays, le pays profond, réel. Président, il était travail dans le département Gredens, ou aller dans Port de Paix et Nord-Ouest, la Kaili. C'est le premier président qui finit avec le projet d'infrastructure là, dans le Nord-Ouest, depuis le Nord-Ouest là, qui a fait de gros chantiers. Président, tu es plus concentré parce que Port-au-Prince, il y a fait 3 mois, pays lock. Président, c'est perduré. Avant, c'est. Mais nous devons comprendre, le président arrive, il ne va pas jouer une COB. Mais c'est PHTK, c'est candidat PHTK. C'est PHTK qui a une COB plutôt qu'arrivé en amène. Donc, ça veut dire, est-ce que ça montre clairement que PHTK lui-même dédilapide COB plutôt qu'arrivé, ou du moins, s'il fait une mauvaise gestion, ou bien de mauvais investissements dans COB ça. Ou du moins, est-ce que pas de choisir Jovenel, vous avez besoin de président pour venir couvrir pour eux, puisque vous-même, vous connaissez de dépenser comme la mal. Moi, j'ai de certaines vérités pour me bailler. Oh, nous sommes députés qui ont fait alliance avec PHTK depuis la campagne électorale. Et président Jovenel, rivé monté comme président, le parti que lui fait que le sorti que le candidat sous lui qui c'est PHTK m'est arrivé chita une seule fois avec parti ça tu as une réunion parlementaire kid PHTK bouclier et autres alliés à l'époque que tu as monté bureau parlement. OK, c'est seule et unique réunion que j'ai assisté avec PHTK et alliés. Donc comme parti, président Jovenel Moïse li élu son parti. Est-ce que parti a été pris en charge les rivé président? Est-ce que tu es connu de réunion de directoire de parti avec Alio? Moi-même, qui c'était un député du KID, j'ai assisté avec deux réunions pareilles pour dire que le PHTK comme parti, il prend président en charge. Il y a deux dossiers d'État. C'est parti avec deux bails de direction. Donc, pas de bien ça.
OK, nous pas vivre ça yo, au niveau et m'pas vivre pendant madame nan dans parlement que te gon gen de réunion qui PHTK lié qui a bail de directive avec l'équipe qui était au pouvoir. Président est plus son président et c'est président te rek ap mené bak la, m'pas qu'on a système de PHTK comme parti qui encadre président. Te gen problème ça. Mais dites tout que PHTK et comme parlementaire, nous avons la vérité sur deux enquêtes qui menaient au niveau Fonds Petro-Caribé. Je crois que enquête qui fait autour de Fonds Petro-Caribé, c'est de politiciens qui menaient. Il y a de contrats, majorité contrats qui étaient engagés. C'est avant que le président Martelly, à l'époque, peut-être deux semaines ou trois semaines avant le pré-investiture, que le premier ministre et Bellerive pral signer engageons ces deux firmes dominicaines pour une exécution ces deux contrats et la loi dit combien pour censer c'est 30-40% ou bien 40% premier versement et puis par des tranches de 30% ou est que contrat ça pral signer à 80% 75% de valeur là sans on pierre vous proposer et ça c'était sous Bellerive qui était engagé une bonne partie du Fonds Petro-Caribé, faut que la vérité des faits. Et à l'époque, contrat ça, tu as 49e, tu as 48e législature qui était en fonction. Le sénateur, le député en fonction à l'époque, pas de aucune enquête qui a été faite sur le Fonds Petro-Caribé qui était pour dire prendre des mesures et de, que la Constitution Bayo ou mission pour contrôler l'action gouvernementale pendant fonds ça t'a dépensé au contraire gain de parlementaire c'est comme de agent de l'exécutif yoté dans dépenser fonds. OK, donc au lieu de faire contrôle et bizarrement c'est parlementaire ça qui va constituer dans 50e an comme de parlementaire qui va faire une résolution qui va mener enquête sur question faux Petro-Caribé qui est mal utilisé. Et à l'époque, vous-même, vous étiez là pour vous. Donc, vous avez madame Nan, qui était premier ministre, dont non échappé, madame Pierre-Louis, que l'ancien sénateur l'Ouest qui te dit son album photo, vous présenté comme rapport pour plus que 197 millions de dollars qui étaient dépensés. Donc, rapport ça, le parlement qui était en fonction à l'époque, législature ça, pas de fait travail. Yo. Donc, vous venez de rapport que le sénateur fait. De rapport politique. Donc, l'histoire des faits dit que l'on prend un nombre de résolutions, il y a 2 milliards et des centaines de millions de dollars. De 2 milliards et des centaines de millions de dollars, il n'y a pas jamais 4 milliards. Donc, la population prend tout dossier ça. Yo la gueule sous dos président Jovenel Moïse. C'est l'agent Petro-Caribé, monsieur, t'es un contrat et de route comme entrepreneur à l'époque que t'es bali de 20 ou 25 millions de gourdes que le fait travailler à 85%, il me l'a confisqué. Donc si on a un contrat avec l'État, monsieur Marco, l'État là pour l'évaluer travail qu'on fait, mais quand c'était travail qu'on fait, mais quand c'était comme que t'es baou, yo évaluer. Et si que ou pas fait quantité de travail ou pas fourni travail côté de faire là, l'État d'abord, institution qui était bon contrat, la contraint d'eau, soit on paye ou bien on finit. La piste en justice contre. Mais l'offre on amalgame tout fond que tu gagnes. C'est fonds Petro-Caribé, c'est au cas par cas pour le traiter. Ou tu gagnes comme dans mon pour construire l'école, un collège, un lycée ou pas faire. Donc ou à restituer à l'État l'argent, et si vous pas restituer, l'État a été en justice contre vous. Mais l'offre amalgame, vous prenez tout dossier au fait, c'est de dossier politique ou à régler pour défendre le pays. Ou à chercher de moyens, de subterfuges pour capable prendre contrôle par l'air pour peuple aimer ou pas aider le peuple là vraiment. Parce que l'argent ça a décaissé, ou tu es de parlementaire en fonction, ou pas de jambes veiller. À payer fin, comment que exécutif là. Et en bonne partie, Malcolm toujours, ouais, qu'on a fait de rappel, val, historique. Fonds Petro-Caribé, il n'y a pas de jambes budgétisées, il fait commencer de 2008 à. Il fait deux ans sans qu'il parle dans le budget de la République là. OK? Donc, budget, tu as un parlement, fonds ça sorti, son fonds que l'État
c'est pas cadeau que Venezuela fait l'état cadeau. Donc parlementaire pas de jambe exiger pour que comme ça a été budgétisé pour nous être capable de contrôler. Donc sous président Prival, fonds pétro-caribéal pas de budgétiser. C'est en vérité historique. Bon. Et président Jovenel Moïse gen doit pas de joindre comme pétro-caribéal, j'en nous dit là pas joindre ni. Mais ça crivé c'est que en bonne partie dans comme ça pour nous pas dire pifo comme là. Il est censé décaisser sous pouvoir tête Kaléa. À l'époque, c'est Michel Martelly qui était président. Donc, en plus, le monde croit tout que Jovenel Moïse a une difficulté pour te faire un procès ou bien pour te chercher qu'on est qui côté coblaté. Maintenant, dans le rapport, Jovenel Moïse est impliqué. Je vais t'expliquer là un paquet de raisons que tu as fait président Moïse. Mais qui j'en comprends tout que pendant que nous c'est tout ça et nous c'est là comme raison que tu as fait tuer président. Donc, ça veut dire que nous sommes capables d'indexer la catégorie de monde qui était tout en face président, qui a gagné intérêt tout yel. Et puis, dans toute invitation qu'a fait, yo, et c'est surtout des monde politiques, et moi, dans des mots, Jean-Charles dit ça, c'est toujours des monde politiques, c'est une tête grande tellement, et que ont invité dans le paquet pour venir répondre à une question, parce que personne dans le monde qui a invité. Qui a compris ça? Mais la population carcérale en Haïti, soit les pénitenciers, peut-être que son seul mulâtre qui est en bas, c'est seul lui-même qui a commis un crime et dans le pays. C'est seul. Bref, 99% de la population carcérale, là, c'est une tête graine. C'est comme si c'est eux-mêmes qui violent la loi. C'est eux-mêmes qui ont commis infraction. Alors, ce que je dans le rapport, et qui a rapport dans l'enquête président, il y a les cas où certains andal, ils joignent 7 passeports, ils joignent une saut immigration. Donc, ils ont remplacé l'État, c'est eux que l'État. Donc, qui est-ce qui est placé? Qui est trois pouvoirs? Législatif, exécutif, judiciaire. Qui est-ce qui est placé pour faire vérité jaillir? C'est le pouvoir judiciaire. Donc, qui est-ce qui est placé pour poursuivre? C'est le pouvoir judiciaire. Autorité judiciaire, mais où est que autorité judiciaire était plus intéressé au plus haut niveau? On a parlé de la Cour cassation, près de 3 juges étaient candidats pour venir président et pas de élection. Pas de conseil électoral, pas de président qui était invité peuple ancien promis que gagne élection pour aller poser candidature. Yo tout était convoité post-président Jovenel Moïse. En 2019, c'est même un juge qui prend un mandat, qui décerne un mandat d'un président en fonction. Et la loi, la constitution, lui dit comment que au monde qui président, qui fait partie de cour cassation, juge cour cassation, la cour supérieure des comptes, de institutions indépendantes comme conseil électoral, conseiller, yo bénéficié de privilèges de juridiction. Donc, Mounzao passible de la haute cour de justice. Elle dit comment vous jugez. D'abord, il faut qu'on destitue le président pour de crimes ou délits que le commet dans exercice fonction, crime de haute trahison, ou bien de délits, ou bien de crimes que le commet. C'est pour cause ou capable de traduire, ou capable de destituer le président et qu'on y a pour le passible devant le tribunal de droit commun. Donc, un président qui est en fonction, et moi, en 2019, juge là, et m'a gagné mandat sous yeux là, décerne un mandat, et va me connaître très attaché avec le département. Et il y a appris que juge ça, c'est moun qui sont dans le département NIP, il y a moun Miragouane, ou bien petite rivière de Nip que m'a mené enquête pour me connaître vrai côté juste à sortir qui ont président en fonction. C'est depuis là ça ils ont commencé à préparer crime qui rivait commettre le 7 juillet dernier sous président de la République là, le chef de l'État, qui cause que au l'État en pays que passeport pas veut dire rien de pour présenter devant étranger c'est comme si il y a pour des interrogations qui a été il y a interrogé pour mando Haïti tout sorti c'est pas là assassiné président comment pays a donc pas gain message ça vous mal raconté avec des agents dans immigration. Donc pour un chef de l'État ou gain de juge qui placé
pour yo tendre du fait que yo porté contre yo et de regretter mémoire ancien président Cour cassation, il te dit clair dans discours que si président si il y a de juge qui voulait qui intéressé à des fonctions politiques que yo démissionne ses droits plus entiers qu'un citoyen gagné depuis ou respecter critères pour que norme yo pour qu'on participe dans choses politiques pays ou pas gain de mal là-dedans, mais sauf que ou pas qu'a fait partie de pouvoir judiciaire et en même temps on convoité de poste de fonction politique. Mais qui vont comprendre que gagner un juge qui décerne un mandat contre un président de la République, président au courant, institution dans pays au courant, donc mandat ça a fait depuis 2019, il a tenté exécuter d'après toute information par le national de gagner 7 février année ça pour mandat s'arrêter, juge l'arrêter, pas grand qui fait jusqu'à ce que le président ait utilisé même mandat et assassiné. Comme si le président pas fait rien dans l'intervalle, pendant que il connaît un mandat qui décerne contre lui, il y a un paquet de qui c'est avocat, qui connaît droit bien, qui dans le cabinet, et liquidé comme si environ 6 mois après que il a utilisé même mandat pour assassiner, alors que le président est au courant que il y a un mandat contre lui. Tout à fait. Eh bien, Bréal Djou, t'es tellement gon campagne et qui t'a fait contre président, surtout depuis là, depuis monsieur candidat jusqu'à ce que il arrive président, monsieur gon injustice que y a fait, que l'a subi. Pas oublier que gon coup d'état raté que t'es fait le 7 février 2021 et coup d'état ça, on te dit c'est de ces firmes que y a monté. Alors ce que il arrive 7 février 2000 et 2021, le 7 juillet 2021, qui sont faits, que tout le monde constatait que le président mourit. Donc là, s'il était mort le 7 février 2021, il va taper un film, il va taper un montage. Il dit que c'est le théâtre qui t'a monté. Okay? Donc, président, imaginons que le président te prend, te fait que avocat fait ce que de droit contre le juge d'instruction ça. Pour t'arriver et c'est en justice contre les postes que le poser son forfaiture, ok, pour décerner un mandat contre un président, c'est l'ordre social pour renverser, c'est instabilité, donc c'est complot contre la sûreté intérieure de l'État, le chef de l'État, et puis ou décerner un mandat sans qu'on parle même d'un deal, non seulement pas une compétence pour faire, mais oser faire quand même, mais juste ça vous voyez au lieu de battre même rester dans le pays, il était parti et il apprend mais que le retourner il y a deux monde qui a fait manœuvre juste sans pudeur ça pour que dossier président c'est lui même yotawe même c'est ton blague monsieur nous t'a prend pays avant jouet comprendre juste ça on t'a tendu avant c'est moi on t'a tendu avant dans cabinet d'instruction dans quatre dossiers président physiquement t'a vinn tendu parce que monsieur a mené il y a deux groupes qui a fait des démarches, même groupe qui a fait des démarches pour mettre mandat par le président, d'aide au président, même groupe ça a demandé pour le temps d'il. Il a fait pression sur le doyen. Mais m'a dit, je doyen Bernard Saint-Ville. Peut-être nous c'est contemporain. Le groupe qui a fait pression sur, parce que l'opre de job ça, faut qu'on fait et serment que le juge fait, il dit qu'il a jugé avec loyauté. Ok, c'est la loi qui doit boussole. Soit de groupe d'intérêt à influencer, vous voyez dossier, bah de juge, quoi on peut, parce qu'on a un système dans longtemps, on sorti comme juge de paix, ou pas de greffier même pour arriver doyen, ou contre tout le monde qui non au niveau de la justice, qui c'est deux monde honnête, il y a un pile juge qui est honnête. Mais après, elle dit c'est tout système judiciaire là qui pourrit. Ok? Donc, juge qui intègre, qui respecte non, que auprès. Pour assumer responsabilité. Même là, vous avez gagné de collègues, nous comprenons, qui ont convoité poste président, qui ont l'aide pour être capable pour film à l'étranger, rentrer, venir exécuter président. C'est eux-mêmes qui ont commis infraction. Ce n'est pas nous-mêmes que nous avons payé pour ça le fait. Mais des juges honnêtes, c'est eux-mêmes qui pour assumer responsable. Un juge comme ça, il a fait des démarches pour voir le dossier ça à Bali pour l'attendre. Bon, député. Ou dans le pays, il y a longtemps, on fait politique. Est-ce qu'on croit, quel que soit le juge, le tabac, le dossier, ça, là, il y a un procès équitable pour la famille Jovenel Moïse qui a une justice pour lui? Ou quoi ça? Je ne sais pas.
Et je vais répondre clair. Je ne vais pas même en Haïti. Il y a plusieurs présidents qui ont assassiné. Que ce soit Kennedy, que ce soit Thomas Sankara, depuis 1987 qui est mort, et jusqu'à présent, dossier devant le tribunal. Je ne vais pas être même anti. Mais au moins, et au Burkina Faso, on connaît qui est-ce qui t'a tué, président. Les cas beaucoup jugés, ils prennent le maquis, M. Côte d'Ivoire, ancien président, qui était bon collaborateur et Thomas Sankara à l'époque. Ok, Blaise Compaoré, il était Côte d'Ivoire, il y a de protection que au Bali. Fitzgerald Kennedy, et il prend le bas au monde qui était tué. Qui bon? Les États-Unis d'Amérique, pour est arrivé exécuter un président comme ça. Donc, pas jamais gain de vérité qui fait sous assassinat du président. Mais, juge, nous toujours connaissons qui secteur, qui monde, qui bras, qui débat. Donc, même là que le président pas joint justice, mais conseil de monde qui t'a participé, soit de près ou de loin, gens non ont commencé à sortir. Même quoi? Et je me fais plusieurs tweets. M'a dit que le président épée ou non, mais on agit. Et pour rien que ça a monté qu'à prendre avion, parce qu'il était dans le même cas avec un monde qui concernait pas dossier qui parti. Il était qu'à prendre avion l'aller. Mais qui ça marie? Il y a une force qui marie. Colombien est arrivé là sur route Keskov là pour rentrer Keskov dans un hôtel qui est bien connu, que m'a fait publicité pour lui. Monsieur est obligé de rentrer dans le cas qui a abandonné. Il était dû aller. Vous comprenez? Donc, tu as privé un pot, tu as pris avion. Non. Président Jovenel a baillé tête, justice. Ça me clair sur lui. Mais, pas aucun juge qui a venu cracher sous cadavre président, n'a bafoué la vérité. Il faut que la vérité arrive faite. Et, député, en fait, tout au début, introduction, là, on insistait sur en 80% et richesse pays qui n'a pas un petit groupe monde. Et selon ça, vous avez avancé, c'est comme si c'est si pourcentage Mounza, c'est le cas du GPI, c'est eux-mêmes qui ont causé la mort Jovenel. Parce que c'est ça vous l'avez dit. Je m'a répété un ancien président de la République et dans une interview que j'ai regardé de OVT Mémoire, et professeur Lislimaniga, il te dit que les gens qui ont fait affaire, qui dans les affaires, que les gens qui ont fait. Qui fait business li correct, qui n'a pas gagné pour le avec fraude, avec magouille, mais comme ça, tout le monde est incorrect. C'est même avec politique, là, jeune de politiciens qui correct, qui a fait politique, qui connaît que Wall, c'est pour créer un cadre de vie pour que la population soit capable de vivre bien. C'est Wall, par exemple, prendre des décisions qui peuvent aller dans bon, pour la majorité, pour la collectivité. C'est même Janto. Ou à joindre de politiciens qui a fait de mauvais bagages. Donc, je ne peux pas généraliser que c'est tout le monde qui est riche, qui est dans les affaires, qui est magouilleur, qui a payé assassiner le président. Non. Mais au groupe monde qui était toujours à faire menace avec le président, était public. Et le président, si tu es secteur, comme tu es épousé, même secteur, même cas au niveau parlement, tu es dénoncé parce que contre Léonec, tu es ou pas jamais capable de on l'État qui est capable de travailler pour la collectivité, pour la majorité, si type de contrat ça yo, c'est eux-mêmes qui a priorisé au niveau de l'État. Et ensuite, Parlement, tu parlais de président de la République là, le Parlement, c'est lui-même qui charrie pour que dossier ça yo voté. Pas jamais capable d'assassiner tout député, tout sénateur gagne. 119 députés, jamais. Donc, si le Parlement a fait travail face avec groupe d'intérêt ça, qui toujours aime l'économie du pays en bas, main, donc pas même arrivé dans le cadre pour que vous avez planifié assassinat en président. Okay? Donc, c'est le Parlement, il a plus que son institution qui a plus que 200 ans. Okay? Mais travail, yo, ou pas jamais, dans sa majorité, ou pas jamais comprendre, job, un parlementaire qui connaît que vous devez mener enquête, vous devez contrôler l'action gouvernementale, que ce soit ces deux présidents et maître Paul, action que la posée, vous devez contrôler, ministre, est-ce que l'argent de l'État a bien dépensé. Et c'est ça que vous votez en parlementaire pour le faire. Ou une idée, puisque comme c'est parlementaire, vous fait expérience qui cause. Mais si vous n'avez pas jamais fait travailler,